Bonjour. Pour attraper le gros brochet dont vous rêvez, plusieurs solutions s'offrent à vous. Vous pouvez croire en votre bonne étoile et attendre que la destinée lui fasse croiser votre route. Ou vous pouvez provoquer le destin et aller à sa rencontre, quitte à affronter les rigueurs de l'hiver. Pour tous ceux qui croient uniquement à la destinée, je rappelle que, comme au loto, pour espérer gagner, il faut avant tout jouer. Alors, tout ça vous calme. En ce qui concerne le choix des techniques, plusieurs possibilités s'offrent à vous. Vous pouvez décider d'utiliser un vif, donc un poisson vivant, que vous installerez sur le montage au flotteur coulissant ou sur le montage téléphérique. Mais vous pouvez aussi pêcher avec un poisson mort qui sera loché sur le montage décollé, montage en plombé décollé. Alors un poisson mort pourquoi ? Ben parce que c'est beaucoup plus facile à conserver un poisson mort que vif. Et puis en plus on peut utiliser des poissons marins tels que la sardine, le hareng, on verra ça tout à l'heure. Donc choisissez le vif ou le poisson mort que vous installerez sur le montage choisi.
De nombreux gros brochets doivent leur survie uniquement à la déficience du matériel. Alors, utilisez vos cannes les plus puissantes, prenez vos moulinets garnis de 35 centièmes, surtout évitez les faiblesses. Ce sont dans les nœuds, dans tous les montages, que la faiblesse peut intervenir. Donc il faut qu'il y ait une cohérence dans l'ensemble de vos montages. À quoi servirait-il d'utiliser une canne prévue pour l'espadon si c'est à chaque fois les mérillons qui lâchent? Donc les gros brochets sont de sérieux combattants, il faut une parfaite cohérence de tout votre matériel. Donc une fois les cannes installées, il faut patienter. Parce que ces gros brochets sont rares, mais souvent ce sont des femelles qui arrivent à atteindre les plus grandes tailles. Alors à cette époque de l'année, il fait froid, la reproduction ne va pas tarder d'intervenir. Ce sont des poissons qui se nourrissent peu, parce que les œufs ont déjà pris une place importante dans leur organisme et ils ont un métabolisme un petit peu ralenti. Alors aussi un conseil, les femelles, si vous avez la chance de capturer des très très belles femelles à cette époque, il est préférable, après la photo, de les relâcher. Alors en attendant, parce qu'il faut attendre, on va aller voir un grand pêcheur de brochets. Alors tout d'abord Thomas, je te remercie de nous avoir conviés sur ton poste fétiche. Parce que si j'ai bien compris, c'est là que tu as attrapé tes gros brochets. Ouais. Tu as attrapé combien? 3. Et en combien de temps? Sur à peu près 3-4 ans. Le premier, c'était quand? Vers l'âge de 10 ans. J'ai pris un de 82 cm. Oui. Et puis après l'autre, je l'ai fait vers 11-12 ans. Il faisait 72. C'est pas mal. Et puis le dernier, il y a l'année dernière, qui faisait 96. D'accord. Les trois au même endroit? Ouais, ici, là. La même technique? Ouais. Au vif. Au vif, toujours au vif. Ouais. D'accord. Et pourquoi tu t'expliques que les brochets sont là? Parce que là, l'eau est un peu haute, on voit que c'est un peu en cru. Comment ça fait que ce poste est bon? Parce que, en fait, là, il y a une île. Ah oui? Et il y a comme il y a un trou juste là, avant. Voilà. Il monte pour frayer et puis pour chasser. D'accord. Autour de l'île. En fait. Autour de l'île. Donc ouais. Ça, c'est ton coin où tu reviens chaque année pour pêcher tes gros brochets. Ouais. D'accord. Donc on répétera pas où c'est, on va être discret. Mais je te souhaite une bonne journée de pêche et de battre ton record. Merci. Mon premier conseil, si vous pêchez au flotteur avec un gros vif, il a souvent tendance à s'emmêler, à remonter pour s'accrocher après le flotteur. Donc il est intéressant de diviser la plombée en deux parties égales. Une partie sera à sa place habituelle et l'autre partie est passée, comme je viens de le faire, sur le fil d'acier. Ce qui obligera le vif à rester plus bas. Il ne pourra pas remonter. Si vous pêchez au poisson mort, vous pouvez amorcer 2 ou 3 jours à l'avance. Utilisez des poissons marins, tels que la sardine, le hareng. Le brochet s'habitue très très vite à leur parfum et à leur chair grasse. Un dernier conseil. Pour ouvrir l'appétit d'un brochet engourdi par les rigueurs de l'hiver, rien de tel que d'utiliser un peu d'amorce pour regrouper les petits poissons. Ne vous inquiétez pas, lors de l'attaque, tous pourront fuir, sauf celui accroché à l'hameçon. Dans cette technique, l'idéal est de disposer de suffisamment de temps. Quelques jours peuvent être nécessaires pour faire le siège du poste choisi. Les gros brochets se méritent. Soyons réalistes. Si vous disposez uniquement de quelques heures, il vous sera très très difficile de faire de belles captures. À la prochaine.